ce départ qui est déjà difficile avec une première partie montante d'entrée dès le départ avec un secteur pavé, presque un secteur pavé de Paris-Roubaix, il est pas facile. Avec après un petit replat, mais on remonte d'entrée jusqu'en haut de Montfort. Ça fait déjà un premier kilomètre, voire un kilomètre et demi difficile. Ensuite, on va en direction de Gros-Rouvre sur un petit plateau où là c'est faux plat descendant, descente. Il va falloir récupérer, mais toujours être au maximum, pas perdre de temps pour pas perdre de secondes. Ensuite, on enchaîne sur une montée assez longue qui va faire un bon kilomètre qui est au départ en léger faux plat montant, et plus ça va, plus la pente s'accentue et il va falloir en mettre trop au début pour pouvoir bien la passer. Et la dernière partie qui est complètement différente pour rouleur, ligne droite, tout plat, et où il va falloir emmener du gros braquet jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, il est pour qui ce prologue? Il est fait pour les rouleurs ou pour les grimpeurs? C'est entre les deux. Rouleurs, c'est pour quelqu'un de complet quand même, parce qu'il y a cette bonne bosse qui va faire de grosses différences, où les rouleurs, là, il va falloir qu'ils gèrent très très bien le final, mais... Bon, moi je dirais un homme très complet qui peut passer comme Contador ou Cancelara.